أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, selon une traduction rapprochée, a dit « Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. » Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Sourate An-Nisa, verset 3. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité sur RTI1. Vous l'avez compris, la thématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la gestion du foyer polygamique. Pour en parler, deux imams et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Yaya Traoré, il est imam principal de la mosquée Fitia située dans la commune d'Abobo. Avec lui, imam Farouk Diomandé, imam principal de la grande mosquée de Port-Boué. Imam Traoré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Imam Farouk. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble suivre donc ce reportage de Assitan Diarra, qui est invité justement dans une famille, selon donc cette thématique sur ce sujet de la polygamie. Adjamé, quartier Payé Extension. C'est ici que vit Ousmane Konsembo, polygame et père de 8 enfants. Contrairement aux autres polygames, Ousmane vit en parfaite harmonie avec ses deux épouses. Marié depuis 16 ans, il sait comment se comporter avec ses conjointes pour qu'il ait la paix et l'entente dans la maison. Elles étaient séparées. Voilà, j'ai pris la décision de les réunir parce que du coup, ça me facilite la tâche. Voilà, et ça nous permet d'être juste envers les épouses. Voilà, parce que quand l'une est ici, l'autre est de l'autre côté, tu n'as pas la même manière d'agir, tu n'es pas la même personne en fait. Quand tu es chez l'une, tu es autre personne, quand tu es chez l'autre, mais étant dans la maison ici, c'est difficile pour toi d'être injuste. Ceux qui ne sont pas justes entre les épouses, il ne faudrait pas qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est pour se venger ou bien faire mal à l'épouse. Non, 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 c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal. Les femmes de Ousmane vivent en parfaite symbiose. Lorsqu'il y a une mésentente, elles s'orientent vers leur époux pour le règlement du malentendu. Elle n'est pas venue directement ici. Elle était en Doussi. Elle a fait quelques mois là-bas. Et puis avant qu'elle vienne à Abidjan ici. Depuis Nanani, Dondola, mes Fonyoronko, mes discours. Depuis que je suis arrivée ici, tout se passe bien. Ma sœur se comporte bien avec moi. Souvent, c'est moi qui la provoque, sinon elle n'a pas de problème avec moi. Souvent quand je sors, c'est ma sœur qui fait tous mes travaux et elle s'occupe des enfants et vice-versa. Selon ses deux co-épouses, la réussite d'un foyer polygamique dépend du comportement de l'homme envers ses épouses. Voilà, c'était un reportage de Assitan Diarra. Quand on regarde ce reportage, voilà, les épouses disent que voilà, quand tout va bien dans le foyer, cela dépend de l'époux. Est-ce juste ce que ses épouses viennent de dire? Oui, tout à fait. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Tout d'abord, je suis très content d'être là parce que déjà, on ne fait pas de polémique autour de la polygamie. Mm-hmm. Parce qu'on veut déjà, comme le thème l'indique, la gestion. Oui, bien sûr. Voilà, du foyer polygamique. Mm-hmm. Déjà, cette acceptation de la polygamie,
est quelque chose de naturel. Donc ça s'impose à l'être humain lui-même. D'accord. Alors, Allah même l'a dit, il vous est permis. Absolument. Voilà, c'est donc, pourquoi je dis, Allah nous connaît. Vous voyez, la constitution biologique du mâle n'est pas faite pour s'éterniser dans la monogamie. Tout à fait. Du côté sentimental ou du côté moral, l'être humain a besoin de diversifier certaines choses. Je prends un exemple. Au fil du temps, la virilité de l'homme augmente. Et pendant ce temps que la virilité de la femme baisse, jusqu'à 50 ans, la femme se retrouve face à une situation de ménopause. Pendant ce temps que la virilité de l'homme accroît jusqu'à 60 ans. Et dans ce contexte-ci, la monogamie est imposée par Allah. Il y aurait une forme d'injustice parce que les hommes n'allaient pas pouvoir supporter parce que dans la création de l'homme, Allah a fait que cette polygamie-là est nécessaire pour la nature. Parlant de virilité, est-ce qu'il y a des preuves que l'homme est viril lorsqu'il prend de l'âge? Absolument. C'est à vue d'œil. Lorsqu'un homme atteint 40 ans, 50 ans, il devient encore plus viril. Mais est-ce que cela impose à cet homme-là de véritablement prendre une seconde épouse, être avec une deuxième? Je vous explique une situation. C'est pourquoi la polygamie, quand on la cadre dans une situation raisonnable, on voit que Allah a aidé l'humanité avec la polygamie. D'accord. Je donnais un exemple d'un homme qui est à 40, 50 ans. Il a toujours cette virilité-là en lui. Mais une femme qui atteint 50 ans, dont la virilité baisse, puisqu'elle est dans l'étape de ménopause. Tout à fait. Elle n'a même plus besoin de certaines choses. Bien sûr. Mais pendant ce temps, si elle était dans un foyer avec un homme, dont la virilité augmente au fil du temps, et elle, la virilité, ça s'abaisse, ça va permettre à l'homme d'aller chercher ailleurs. Et ça va être dans un cadre illégal. D'accord. Et cette femme-là qui sera dans le foyer, elle va se voir qu'elle a une coépouse, mais qui ne la connaît pas. Et donc, il n'y a même plus ici la sécurité sociale de cette femme. D'accord. Donc, c'est pourquoi Allah a voulu que la polygamie intervienne pour ces deux causes, la sécurité sociale et même aussi la sécurité morale et physique et physiologique de l'homme. D'ailleurs, Allah est juste. Et donc, absolument. Voilà. Donc, et donc, comme l'a dit dans l'élément, justement, les épouses donc, de ce monsieur et pensent que c'est lorsque l'homme lui-même est juste et que, bon, tout se passe bien dans le foyer. Oui, le verset le dit. Si vous craignez de ne pas être juste, pourquoi on ne doit pas être juste? Pourquoi un homme doit-il craindre de ne pas être juste? Pourquoi on peut choisir un directeur d'une entreprise et puis dire, non, si tu sais que tu n'es pas correct, ne viens pas pour gérer l'entreprise? Pourquoi tu as peur de ne pas être juste dans la gestion de quelque chose? Ici, c'est une interpellation à la conscience et à la morale de l'être humain pour dire que ce n'est pas du tout bien qu'un irresponsable ait peur de l'injustice. D'accord. Il faut bien que nous soyons justes pour pouvoir entamer cette situation. C'est la réponse à la question qui est donnée à l'être humain qui doit se poser la question, pourquoi je ne dois pas être juste? Et pourquoi on ne doit pas être juste? On doit être juste. On doit être juste. C'est la réponse. D'accord, mais est-ce que l'imam a demandé... quand on regarde ce reportage et ce que viennent de dire les épouses, et donc la stabilité du foyer dépend donc de la gestion que l'homme voilà, justement, met en lumière dans le foyer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salam taslima. Alhamdulillah, l'homme doit être juste parce que d'abord nous sommes des croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, c'est cette justice-là qui nous demande. D'accord. Et vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de d'abord se marier. Comme le Coran bien mentionné. Fankihuma taba lakum min an-nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Quand le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, nous tous, on ira au paradis. D'accord. Sauf celui qui ne veut pas aller au paradis. Ils lui ont posé la question. Qui ne voulait pas aller au paradis. Il a dit, mais écoutez, celui qui suit le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là ira au paradis. Pourquoi Allah a commencé dans le Saint-Coran marier deux épouses? Oui, effectivement. Il a dit marier deux, trois ou quatre. Quatre. Allah qui nous a créés, Allah sait très bien que ces créatures, hommes, ces deux épouses, au minimum qui nous suffit. Vous voyez.
Tous ceux qui ont peur de la polygamie, bon. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes avec une seule femme, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas marié ou que... Si vous êtes avec une seule femme, vous êtes marié, mais vous n'êtes pas à l'abri de la colère de péché. Et vous avez une seule femme à la maison. Bon, il y a le voyage, il y a beaucoup de choses. Il y a la maladie, il y a beaucoup de choses. Mm-hmm. Allah nous a donné une santé, vraiment, qu'on ne peut pas rester avec une seule épouse. Tous ceux qui vous diront que non, je préfère rester avec une seule épouse, peut-être que ce sont des gens qui savent qu'il ne peut pas être juste. Juste. Alors qu'il faut un homme. Un homme. Il faut être juste. Il faut être et juste. Et si tu es juste, ça veut dire que tu remplis les conditions voilà. Pour te prendre une deuxième femme. C'est ça. Voilà. Et donc, alhamdoulilah, la dame vient de dire tout de suite là, que le mari... Il gère bien le foyer, oui. Dont les deux co-épouses s'attendent elles très bien. Elles s'entendent, oui. Oui, parce que dans ce foyer-là, il y a beaucoup de communication. Le fait de les mettre ensemble dans la même maison, ça peut créer des petits problèmes inutiles. Mais lui, il dit que c'est justement parce qu'on a peur d'être juste qu'on sépare les femmes. Alors que quand on est juste, on met les femmes ensemble. Oui, quand vous mettez les femmes ensemble, à chaque entrée, chaque sortie, parmi elles, il y a une qui écoute tout. Qui regarde tout. Ah mais imam, vous savez que vous êtes très bien placé pour le dire, surtout oui. Que votre taxi est déjà plein. Oui, oui. Voilà, donc vous avez déjà mon quatre femmes. Mon taxi est plein, j'ai oui. Quatre épouses. Donc vous avez cette expérience-là. Alhamdoulilah. Alors, donc ce que vous dites, c'est vraiment important. C'est important, bon, alhamdoulilah, c'est ma façon de voir. J'ai l'expérience. Vous avez appelé Awa une fois. Oui. Pour lui demander de l'eau à boire. Oui. Vous l'avez encore appelé pour demander une orange. Mm-hmm. Vous l'avez encore appelé pour demander quelque chose d'autre. Oui. Et c'est elle, ça fait trois fois. Mm-hmm. Et l'autre, elle est là. Mais, sommes des êtres humains. Mais pourquoi alors? Pourquoi appeler avoir trois fois alors c'est que une Aïcha c'est est là et Bintou? Quand vous dites que des femmes écoutent aux portes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, les femmes n'ont pas reçu la même éducation. D'accord. Forcément, il y a une, à tout moment, elle aime s'habiller. Elle s'occupe d'elle, très bien. Et sa cuisine, et puis l'autre, c'est pas pareil. C'est le même montant qu'elles reçoivent, mais c'est pas la même nourriture. Il y a une qui maîtrise fortement que l'autre. Si l'autre trouve que sa coépouse prépare mal, à chaque fois que le repas est prêt, elle va dire que son... non, c'est bon, elle est rassasiée. Elle va pas manger. Donc celle qui est en cuisine, elle sera frustrée. Voilà ta femme, chaque fois que je prépare, toi-même, tu es là, elle refuse de manger. D'accord. Et puis tu ne parles pas. Tous ces petits problèmes-là, ça peut détruire votre foyer. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez que les femmes vivent dans des foyers différents? Comme c'est une question de moyens, sinon vraiment c'est souhaitable que les femmes vivent dans des foyers différents. D'accord. Imam, comment gérer ce foyer pour qu'il y ait la cohésion, n'est-ce pas, dans ce foyer-là? Vous savez, l'islam, déjà, c'est une religion de justice, d'équité, d'égalité. L'islam est venu pour établir la justice. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam Allah a dit, je t'ai envoyé pour venir parfaire les caractères les plus nobles. Un homme qui s'adonne à la polygamie d'abord doit être un homme responsable. D'accord. Dieu dit ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité, les hommes ont la responsabilité face aux femmes. Dans ce contexte, pour qu'il y ait l'harmonie, nous devons gérer avec la foi, l'équité, la justice, la communication. Et ces quatre éléments vont nous permettre de gérer mieux le foyer polygamique entre deux femmes ou plusieurs femmes. D'accord. Donc il faut pleinement la responsabilité de l'homme. Alors c'est vrai qu'il y a la responsabilité des hommes, mais Imam Diomandé, il y a aussi la responsabilité des femmes. Vous qui avez quatre femmes, comment justement vous gérez ce foyer-là pour qu'il y ait l'harmonie et la cohésion sans que ces femmes-là aient des problèmes? Bien sûr, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Vous savez, en tant que l'imam et prédicateur, c'est encore facile. D'accord. Pour moi, d'abord, il faut dire aux femmes pourquoi nous vivons ensemble. Il faut qu'elles comprennent cela. D'accord. Que le mariage, c'est une adoration. Nous vivons ensemble pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, bien sûr. Vous, en tant que femme, voilà votre rôle. Ne pensez pas que moi, je suis un ange. Je suis un être humain. C'est vrai, je suis imam. Mais je peux me tromper. Il ne faut pas avoir peur de moi. Il faut qu'on communique beaucoup. Parce que vous, à votre tour, vous les épouses,
celle qui commet une erreur, je vais dire à la personne, non, ça, tu t'es trompé. D'accord. Mais d'une façon, en tout cas, bien. Ok. Je dis que non, 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 voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu ne devais pas faire. D'accord. Donc, toi, il faut éviter aussi de parler de l'autre quand elle n'est pas là, à sa co-épouse. Mmh. Et donc, elles n'ont l'air pas de responsabilité. Son rôle est de s'occuper de vous. Mmh. Marie, avant de quitter la maison, la femme doit prier pour lui. Bien sûr. Il faut qu'elle sache où son mari s'en va. Tout ça, c'est dans la communication. C'est dans la communication. Alors, donc, comment gérer un foyer à plusieurs femmes? Les populations se prononcent sur la question. Moi, bon, si tu as deux femmes, ce que tu fais à l'autre, tu dois faire à l'autre. Si tu perds deux pains, tu dois un à l'autre, tu donnes un à l'autre. Si c'est mon jour aujourd'hui, tu viens. Si c'est le jour de l'autre aussi, tu vas là-bas. Il ne faut pas que tu vas tromper, parce que si tu te trompes, ce n'est pas bon. Le foyer polygame, dans un premier temps, c'est d'abord la responsabilité des femmes. Il faut déjà que la femme sache pourquoi elle est dans ce foyer. Si moi je viens le soir, qu'il y a une qui me masse les pieds, il y a une qui s'occupe de moi, l'autre quand je viens elle m'insulte, je ne peux pas les aimer de la même façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que je ne les aime pas, je les aime, mais pas de la même façon. Maintenant, s'il se cache pour acheter des choses à l'une et il ne fait pas pour l'autre, Dieu l'a mis en garde, le jour du jugement, il sera penché. Moi, je n'aime pas la polygamie. Parce que la polygamie, c'est quelque chose. Il faut que l'homme soit correct entre les deux femmes. Et dans ce monde actuel, ça n'existe pas. Un homme ne peut jamais être correct entre ses deux épouses. Les foyers polygamiques, c'est l'homme. S'il n'y a pas d'entente, c'est l'homme. Si tu donnes 1 000 francs à l'autre et que tu vas donner 2 000 à l'autre, tu sais, l'homme, il peut donner à l'autre. Il peut satisfaire soit la première femme, soit la deuxième femme. Mais c'est la femme qui vient montrer à sa coépouse que l'homme a fait ça pour elle. Son homme, il peut le faire sans que l'autre femme ne soit au courant. Voilà, retour donc sur ce plateau. Alors, Imam Traoré, on vient d'entendre les populations se prononcer sur ce sujet-là. C'est clair, hein, elle ne croit véritablement pas à la polygamie. Elle pense qu'il y a trop de problèmes et que c'est l'homme qui crée tous les problèmes dans le foyer. Oui, c'est son concept à elle. On ne peut pas juger une situation générale avec un concept personnel. Tout à fait. Et il y a des gens qui ont bien vécu la polygamie. Nous sommes tous issus des familles polygames. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ma mère jusqu'à ce que je grandisse. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Si Allah a permis la polygamie, et donc c'est une chose qui peut se faire. La polygamie, Allah l'a fait pour régler certaines situations de l'humanité. Mm-hmm. Parce qu'il peut y avoir assez de problèmes. La polygamie que Allah subhanahu wa ta'ala a proposée, c'est pourquoi en islam, la polygamie n'est pas obligatoire. La polygamie, c'est une proposition pour régler les situations de l'humanité. Tout à fait. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi doit-on faire la polygamie? Les raisons sont tellement diverses. Tout à fait. Politique, économique, spirituelle, sociale, et tout cela. Et donc, il y en a tellement. D'accord. Et donc, ceux qui rejettent la polygamie ont une raison personnelle, mais qui n'est pas forcément la raison de pouvoir interdire la polygamie, qui est une solution des problèmes à l'humanité. Et vous l'avez dit, hein, Dieu l'a permis justement parce qu'il savait que les hommes, nous, êtres humains, voilà, allons avoir besoin, n'est-ce pas, de vivre avec deux, trois, quatre femmes. Ah, et vous l'avez dit, l'homme ne peut pas vivre avec une seule femme. Pas du tout. La constitution biologique, je l'ai dit, de l'homme n'est pas faite pour une seule femme. Je l'ai dit au début, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, il peut avoir sa virilité augmentée. Mais pendant ce temps que la femme, sa virilité baisse. Alors, Imam, nous allons revenir à vous pour l'heure. Nous allons ensemble découvrir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. C'est dans la vie de la communauté. Kanyasso, Goulia, Tienko, Minignan et Sokoro, des villes de la région du Folon, district du Dengélé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, visitées par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïman Ousmane Diakité.
le guide suprême de la communauté musulmane à travers cette tournée de sensibilisation n'a pas manqué d'inviter guides religieux, fidèles, prédicateurs, autochtones, allochtones, allogènes et populations de ces localités à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Les élections apaisées en 2025, la cohésion sociale, la tolérance, la solidarité, l'amour et le vivre ensemble également au cœur de cette tournée. Nous avons appelé la communauté à déclarer les enfants et à contribuer à la vie de la nation. Lorsqu'on appelle les gens pour s'inscrire pour les élections, en tant que bons musulmans, on ne doit pas rester les derniers. Parce qu'il s'agit d'une consultation nationale. Et le Coran nous fait obligation de gérer nos affaires communes dans la consultation. Partout où il s'est rendu, l'homme des dieux a aussi invité les populations de veiller sur l'éducation de leurs enfants en les scolarisant, de respecter les lois du pays et de déclarer leurs enfants à l'état civil. Le message du président du COSIN, bien accueilli par autorités administratives et politiques, élus et cadres, mais aussi par fidèles et guides des autres obédiences religieuses. Nous avons pris tous l'engagement, nous-mêmes, nos parents, nos guides religieux locaux, les chefs de communauté, à faire en sorte que ce message important qui a été partagé par notre guide suprême soit vécu au quotidien par chacun d'entre nous. Le cheikh nous exhorte à ne pas écouter et à ne pas suivre les voies non autorisées, notamment le djihadisme, notamment le vol, la drogue, surtout la drogue, qui est un fléau aujourd'hui, qui mine toutes nos sociétés. À l'issue des différentes rencontres, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a prié les populations à contribuer au renforcement de la sécurité nationale et à collaborer avec les autorités en vue de dénoncer toute activité subversive pouvant porter atteinte à la quiétude et à la sécurité territoriale. S'inspirer des recommandations du Saint-Prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, en vue de cultiver la paix et la cohésion sociale, mais aussi renforcer les liens de fraternité et de solidarité, c'est l'enjeu au cœur de la célébration du Mauloud organisée par les fidèles musulmans de la mosquée Masjidi El Kebir de Tafiré, localité située dans le département de Niakara, région du Hambol. Cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Pour la circonstance, les fidèles musulmans ont été instruits sur la vie du prophète de l'islam, sur ses enseignements et sur son comportement exemplaire. Un comportement que les hommes de Dieu ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à adopter. Ils n'ont pas manqué d'exhorter les fidèles à prôner les valeurs d'amour, de vivre ensemble et à être des modèles dans la société à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Ce grand rendez-vous religieux, une occasion pour les guides religieux de formuler des vœux pour le président de la République Alassane Ouattara, mais également pour les vice-présidents par ailleurs, fils de Tafiré. Des vœux ont aussi été formulés pour l'ensemble du gouvernement, ainsi que pour les filles et fils du pays. Imam, Mukaddam, fidèle autorité politique, élu cadre, fille et fils de Tafiré, tous ont saisi l'opportunité pour adresser des prières à Dieu pour des élections apaisées en 2025. Ceci en vue de maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et aussi le père de l'humanité. Les fidèles et sympathisants de la Zaoua Santa d'Abobo PK18 ne sont pas restés en marge de la célébration du Maulid. Une semaine après la commémoration officielle, le cheikh Mustapha Santa, calife général des Tidjani en Côte d'Ivoire, a exhorté ses co-religionnaires à s'inspirer du comportement du prophète de l'islam. Des comportements qui riment avec les vertus cardinales de paix et de cohésion sociale. Quand on parle du prophète, ça nous enseigne, ça nous guide et ça nous permet de mieux comprendre notre islam et ça nous permet de mieux suivre notre spiritualité. Nous ne sommes pas seulement des pratiquants, mais nous voulons vivre notre foi à travers la vie du prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam. Pour la circonstance, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, conférencier, a instruit sur les bienfaits de la célébration du Maulid dans la vie du musulman. Je recommande aux fidèles le modèle de paix, de tranquillité, de cohésion, d'humilité surtout et de vivre ensemble. Nous avons été édifiés encore cette année sur l'importance de préserver et de consolider la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous avons compris que l'islam demeure une religion de paix, comme l'a recommandé le prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. Qu'a permis sur la commune des deux plateaux Cocody, où le Cheikh Yacouba, guide spirituel de la communauté Majlis, le meilleur des êtres, a prôné la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la recherche de la science profitable aux croyants. Le message que nous allons transmettre, c'est deux messages forts. La place de la science et les savants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman qui n'est pas lettré, ça ne doit pas être normal. Nous lançons l'appel à l'ensemble des musulmans et les habitants de la Côte d'Ivoire à cultiver la paix, à cultiver l'amour, à s'éloigner de tout ce qui est négatif. Car tout ce que nous faisons sur cette terre, nous serons récompensés ici et au jour de la résurrection. Donc pour des futilités, pour des miettes, ne mettons pas la violence dans notre vie et dans la société. Je suis très heureuse et c'est bien. J'ai appris que l'islam, c'est la meilleure. Il faut cultiver la paix. À l'occasion de cet événement de haute portée spirituelle, les communautés ont multiplié la lecture du Coran, les invocations et les œuvres de charité. Ces fidèles musulmans de la commune d'Atékoubé sont sortis en grand nombre en vue d'immortaliser la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Ils répondent ainsi à une invitation, celle de l'association Al-Istijaba Islamic Foundation. Cette commémoration vise à cultiver la paix, la cohésion sociale, la solidarité et le vivre ensemble, mais aussi à instruire les fidèles musulmans sur les enseignements et la vie du Saint-Prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Les hommes de Dieu à cette cérémonie n'ont pas manqué d'inviter les fidèles à être des modèles dans la société à l'image du prophète de l'islam. Nous avons exhorté tous les musulmans à être à l'instar de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à copier ses comportements, à copier ses qualités, et s'éloigner au maximum de tous les vices et tous les interdits que Allah a donné à Mohammed, les valeurs facultatives que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs qualitatives qu'il a, qui est un modèle pour la société moderne aujourd'hui. Si celui qui veut être meilleur dans sa vie doit prendre le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On cherche la bénédiction auprès de Dieu Allah, ok, il nous bénisse tous et il nous donne longévité, prospérité et tout ce qui est bon. Et il n'est qu'à nous garder auprès des enfants, des orphelins, parce que ça fait 20 ans maintenant qu'on s'occupe des orphelins. Cette célébration du Maulid sur cette place publique de la commune d'Atékoubé, un moment de reconnaissance et de rappel sur la vie du prophète Mohammed à travers différents messages véhiculés par les guides religieux qui ont également prié pour la paix et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Al-Istijaba est une structure islamique qui vient en aide aux veuves et aux orphelins. La grande mosquée du quartier Toit Rouge dans la commune de Yopougon est choisie pour cette réception de 52 pèlerins. C'est dans cette même mosquée que ses fidèles, alors candidats au Hajj, avaient reçu la formation nécessaire afin d'accomplir le cinquième pilier de l'islam. Parents, amis et collaborateurs sont venus pour leur souhaiter la traditionnelle bonne arrivée. Mettant à profit l'occasion, l'imam Saïd Konaté exhorte à davantage de solidarité et de fraternité entre les fidèles croyants. Il recommande aux pèlerins célébrés de rester constamment dans la prière et dans la dévotion à Allah. L'imam a relevé également
la performance de la Côte d'Ivoire, qui fait partie des 7 pays désignés par l'Arabie Saoudite comme meilleur organisateur du Hajj. Des témoignages sur les bienfaits du Hajj partagés par les pèlerins ont retenu l'attention de l'assistance. Ils sont venus répondre à l'invitation de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants des établissements d'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire, FENAPSI. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de l'organisation de la 2e édition de leur traditionnelle journée de prière pour l'école ivoirienne. Nous avons demandé à tous les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, de se retrouver dans la grande mosquée de Port-Boué et avec les imams qui ont lu le Coran intégralement, qui ont fait des prières pour les enfants, qui ont fait des prières pour l'école ivoirienne pour apaiser l'année scolaire 2024-2025. Ibrahim Fofana, coordinateur à la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, soutient l'idée. L'État a une mission d'éducation. Et quand des parents viennent aider l'État dans sa mission éducative, vraiment, on ne peut que leur dire merci. La responsabilité, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être matériel, moral, mais surtout aussi spirituel. Donc, quand nous en comparons avec les prières pour que l'école se déroule dans les bonnes conditions, pour que nos enfants aient des bons comportements, pour qu'ils aient des bons résultats en fin d'année scolaire, vraiment, on ne peut que dire merci. Cette activité de la FENAPSI vise à sensibiliser les parents à mieux prendre soin de leurs enfants afin d'aboutir à une meilleure éducation en Côte d'Ivoire. Ces fidèles de la communauté musulmane des douanes, la COMUDO, réunis dans cette salle à Vridi pour dresser le bilan moral et financier de leur association. Une assemblée générale ordinaire marquée par la passation de flambeaux entre l'ancien et le nouveau bureau. Une opportunité pour le responsable de la COMUDO de faire des précisions. Les amener à joindre de façon harmonieuse la vie religieuse et la vie professionnelle. Et pour que nous soyons des agents exemplaires, vertueux et excellents. Édifié, le représentant du directeur général des douanes et les participants ne cachent pas leur satisfaction. Le directeur général des douanes me charge de vous dire qu'il reste à votre disposition. Les bras sont ouverts pour toute question d'apport, d'attente, d'aide, il le fera. Mais tout en restant dans l'esprit de la laïcité. Que cette communauté continue d'évoluer selon les principes islamiques, selon les principes de cohésion, de probité. Ils sont des musulmans, ils travaillent dans une institution, l'institution a ses règles. Nous voulons qu'ils travaillent à la perfection, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin d'être parmi les élites. Mais ne pas oublier aussi que l'au-delà est là. Que toutes les recommandations qui seront prises contribuent à fédérer cette communauté pour mener à bien toutes les actions dans la spiritualité et dans la cohésion pour que les membres de cette communauté soient toujours une seule famille. Ils ont un atout, c'est la foi du puissant. Et sur cette base-là, je suis convaincu qu'ils peuvent soulever des montagnes. En tout cas, tous nos voeux accompagnent la communauté. Depuis sa création, la communauté musulmane des douanes œuvre pour la promotion de l'islam à travers les valeurs cardinales de l'engagement, de l'intégrité et de la détermination dans la sphère professionnelle. C'est donc les reportages qui se sont déroulés au cours de cette semaine, reportages donc des différentes associations islamiques et ONG. Alors, Imam Traoré, que faire pour maintenir la paix, la cohésion, l'entente, l'harmonie dans un foyer à caractère polygamique ou dans un foyer où il y a plus d'une femme? Il est simple de pouvoir faire régner l'harmonie avec le caractère que nous-mêmes nous avons d'abord. D'accord. C'est une question de responsabilité, une question de justice et une question de sincérité. Et si on décide comme ça de vivre avec plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs femmes, dans le foyer, un foyer polygame, Allah nous donne les ingrédients qu'il faut. D'accord. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même est le modèle parfait de la justice et de l'équité. Et donc, ce qu'il nous faut également, c'est aussi la patience et la gestion humaine.
Et quand on a ces caractères, ça devient pour nous une routine. Oui. Et nécessaire pour pouvoir gérer ça. Sinon, on dira d'une manière générale, la gestion humaine n'est pas facile. Elle n'est pas facile, tout à fait. Et donc, ce qui peut venir collaborer tout cela, c'est la gestion spirituelle. Et surtout, ce que nous ne devons pas oublier. Parce que tous les aspects de la vie humaine ne peuvent pas être maîtrisés par l'être humain. Bien sûr. Sauf Allah. Sauf Allah, bien sûr. Donc, quand il y a des choses qui dépassent notre compétence, il est important de montrer cela à Allah. C'est pourquoi un homme qui opte pour la vie polygamique, cette personne-là doit être aussi forcément pieuse. Et dans le cas même de la spiritualité. Et cette personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, surtout craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que être loyal, être sincère, être équitable et trancher les choses avec ce que Allah veut et comme il nous demande, si on n'est pas fort spirituellement, on ne peut pas le faire. Alors, imam, rapidement, est-ce que quand on écoute certaines femmes, elles n'aiment pas la polygamie juste parce qu'elles disent que Dieu a demandé à l'homme d'aimer les femmes de la même manière. Est-ce que cela a une référence coranique ? Il n'y a pas de référence dans le Coran qui dit d'aimer les choses de la même manière. Il ne peut jamais aussi avoir quelque chose dans la vie qu'on peut aimer de la même manière. Les hommes sont faits différemment. Les hommes ont une identité personnelle. Les hommes sont uniques dans leur genre. Les hommes ont des comportements différents. Et donc, cela veut dire qu'il y a toujours une petite chose qui fait la différence entre les hommes. Bien sûr. Même quand on prend un habit ou une montre qui ont une petite différence, on ne peut pas les aimer de la même manière, on ne peut pas les traiter de la même manière. Dans ces conditions, aimer les femmes de la même manière, ce n'est pas possible. Même ces femmes qui disent qu'il faut que la condition soit l'amour équitable, elles ne peuvent pas aimer elles-mêmes leurs enfants de la même manière. Les enfants qui sont issus d'elles-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est le comportement à l'égard de ces enfants. Le comportement à l'égard de ce que nous avons. Le comportement à l'égard des femmes que nous avons. Les traiter de la même manière est possible. Mais les aimer de la même manière n'est pas possible. Verset Anissa, verset 3. Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'ils nous plaisent ou qu'on aime? Non, qui nous plaisent. Les femmes qui nous plaisent, les femmes. Et donc, il est essentiel, il est important, quand on lit un texte, il faut situer les mots dans leur sens réel. Quand on situe les mots dans leur sens, on comprend le texte. Et quand on comprend un texte, le contexte devient facile pour nous. Dieu n'a pas parlé ici des femmes que vous aimez, mais que vous désirez. On peut désirer quelqu'un pour une chose, une autre personne pour une autre chose. Et dans ce contexte, on les désire toutes les deux. Oui. Et donc, on a notre appréciation des deux d'une différente manière. Bien donc, sûr. On les aime, mais pas de la même manière, mais on les aime quand même à notre façon. Avec les qualités qu'elles ont, les qualités différentes. D'accord. Mais dire aimer de la même manière, ce n'est pas possible pour un être humain d'aimer les choses de la même manière. D'accord. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans cet aspect, c'est qu'il faut les traiter de la même manière. Les traiter de la même manière. Nous avons beaucoup de chance d'avoir sur ce plateau alors, un imam qui, lui, a 4 femmes. Alors, imam, chez vous, lorsqu'il y a un conflit, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce conflit à la maison? C'est malchance, là, je n'ai jamais eu ça. D'accord, contrairement à l'élément qu'on vient de voir à l'entame de cette émission, lui et ses femmes font référence à... Parce que à chaque fois que je suis à la maison, je les vois ensemble, elles sortent ensemble, elles rentrent ensemble. Hein, donc, elles communiquent beaucoup entre elles. Donc, je n'ai jamais vu ça, un conflit entre les deux. Oui. Ça, je n'ai jamais vu. Puisque pour un premier temps, j'ai toujours mis dans la tête de la première pour dire que c'est parce que ça s'est passé très bien entre toi et moi que j'ai fait venir cette dame-là. Comme on le dit chez nous, elle n'est pas ta rivale, elle est ta petite sœur. Ta co-épouse, je pense que je préfère le mot petite sœur. Tout à fait. Et voilà. Là, on garde toujours ces liens familiaux. J'ai toujours dit à la deuxième, c'est ta grande sœur qui est là. Donc, s'il y a un problème entre vous, je pense que c'est toi peut-être qui va pour... Parce que j'ai vécu à SLA plus de 10 ans avant que tu ne viennes. Je la connais parfaitement.
Donc aujourd'hui, si tu es arrivé ici, je pense que tu es venu pour me soutenir. Tout à fait, il faut garder là, cette cohésion, préserver cette, voilà, cette paix-là. Voilà. D'accord. On n'a pas que ça va s'aggraver. Il faut toujours demander pardon. Tu as droit d'aînesse. Mm. Même si tu es plus âgé qu'elle, le fait qu'elle est la première épouse, mm, donc elle devient automatiquement ta grand-sœur. Donc tu lui dois du respect. Tout à fait. Donc je n'ai jamais vu ces problèmes entre les deux. D'ailleurs, même Dieu aime celui qui demande pardon et qui accepte de pardonner. Voilà. Merci. Voilà. Alors, quand il s'agit donc des enfants, oui, voilà, comment est-ce qu'il faut gérer ce foyer-là? En plus des femmes, nous avons aussi des enfants qui naissent de différentes mamans. L'éducation que vous donnez à vos épouses, là, mm-hmm, mettez-vous dans la tête que c'est l'éducation que vous donnez à vos enfants. Parce que les enfants, ils sont là, ils grandissent, ils vous regardent. Si vous ne communiquez pas avec leur maman, vous criez toujours sur leur maman, je pense que vous allez rater l'éducation de vos enfants. Donc, on gère tout ensemble. Mm. Si vous communiquez avec vos épouses, c'est elles qui vont vous dire, il faut faire très attention à ton enfant, là, il faut le remarquer, il aime ça, il aime ça. Mm-hmm. Je parle, mais je pense qu'il ne m'écoute pas. Oui, donc, vous allez vous mettre ensemble, mm-hmm, pour donner une bonne éducation aux enfants. Donc, qu'à appeler toutes les femmes maman. D'accord. Ok, ouais, c'est vraiment important. Ta maman, tu l'appelles maman. Sa petite, c'est que sa épouse. L'épouse, bien sûr. C'est la maman. Bien sûr, d'accord. Oui. Et parce que. Ce n'est pas notre nom. On a vu. On c'est a maman. Vu, bien sûr, on a vu quand même des coépouses éduquer l'enfant de l'autre quand elle était rappelée à Dieu. Nos grands-parents, ils ont tellement su gérer leur foyer, nos papas, que nous-mêmes, on a grandi dans la cour sans même connaître notre vraie maman. On était plus collés à sa petite sœur, mm, que elle-même. Bien sûr. Donc, elle, on l'appelle Makoroba. L'autre, on l'appelle maman. D'accord. Alors, mais quand les femmes vivent dans des foyers différents, est-ce qu'une coépouse a le droit d'aller rendre visite à l'autre pour qu'il y ait cette cohésion toujours c'est dans le foyer? C'est tout à fait normal. C'est l'homme qui demande cela. Mm-hmm. Oui. Parce qu'il ne faut pas mettre trop de distance entre les enfants. Mm. Aujourd'hui où je vous parle en vacances, là, tous les enfants se trouvent chez la plus grande actuellement. D'accord. Et donc c'est très important. Parce que quand vous ne grandissez pas ensemble, mm-hmm, en tout cas, bon, l'autre pense que l'autre est demi-frère ou bien deux de ça, ça n'existe pas chez nous. En islam, il n'y a pas de demi-frère. Il n'y a pas de demi-frère. Voilà, en c'est la famille. Non, il faut éviter ça. Tout à c'est fait. Le grand frère, c'est le grand frère. La grande sœur, c'est la grande sœur. Tout à fait. Il n'y a pas de demi en islam. Il n'y a pas de demi en islam. Dieu est unique. Oh, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Imam Traoré, comment se fait le partage des jours entre les épouses? Qu'elles vivent ensemble ou dans des foyers différents? Ça dépend de l'organisation entre vous. Ça dépend de comment le contexte dans lequel on vit. Est-ce que l'époux doit faire référence à la première pour dire combien de jours tu veux ou comment est-ce que ça se passe? Non, c'est lui-même. C'est pourquoi on dit « Arigal qawwamun ala nisa ». C'est les hommes qui disent « voilà le contexte, voilà comment ça se présente mm-hmm. ». Et donc il y a ici maintenant ce qu'on doit faire en équité. Donc, il faut partager les jours équitablement. Et le contexte aussi peut se présenter d'une autre manière. Une autre épouse peut être dans une autre ville. Bien et sûr. Pourtant, l'homme, il est dans une autre ville où il travaille. Mm-hmm. Il va passer plus de ce jour-là que dans l'autre ville. Mm-hmm. Donc, ici, on ne va pas parler d'ici d'équitabilité. Tout donc, il n'y a pas d'équité ici. Mm-hmm. Mais il y aura une forme de justice. D'accord. Je reviens toujours sur ce que Allah a dit. Mm-hmm. Vous ne serez pas juste même si vous voulez, parce que la situation fera que vous n'aurez pas la justice nette. Parce que c'est Allah seul qui est juste. Mais l'équité pourra être imposée. D'accord. Donc, je vais dans l'autre ville. C'est tout à fait normal, je fais tel jour, tel jour, tel jour. Mm-hmm. Donc ça dépend du contexte et puis de notre entente et de la responsabilité de l'homme. Bien sûr. Voilà, mais que cela se passe toujours dans la sincérité. La sincérité, la vérité. Absolument. Alors imam, demandez-vous, chez vous, oui, comment est-ce que ça se passe? Faites deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine entre elles. Bon, ouais, votre expérience? Je préfère les nuits. Mm-hmm. Trois nuits, trois nuits. D'accord. Parce que le jour, je peux défiler comme je vais partout. Voilà, la journée, je peux aller partout. Alors, mesdames Diomandé, oui, dans la journée, lorsque vous ne voyez pas votre époux, alors qu'il doit être chez vous, c'est qu'il est de l'autre côté. Elles sont au courant. Elles sont informées. Elles sont informées. Lorsque vous avez quatre épouses, comme pour vous, oui, comme c'est votre cas là, oui, vous avez trois jours. Oui. Et donc, trois, ça fait neuf jours. Ça fait neuf jours. Et
la quatrième, lorsqu'elle vous voit, oui. elle voit un nouveau mari. Oui. C'est-à-dire, 9 jours sans voir son époux. Et lorsqu'elle voit son époux, elle est tellement heureuse elle a parce dit, que... Elle a dit, je ne vous interromps pas, c'est tellement intéressant. Parce que quand vous faites 3 jours oui. là-bas, et que la deuxième, elle sait que c'est... Aujourd'hui, son tour commence. Oui. Elle met tout à votre disposition. Tout à fait. La maison change. La parfumée et tout et ça. Oui, elle-même, elle change tout. Donc, quand vous rentrez là-bas, vous voyez, oui. souvent, quand une veut un peu déconner, ouais. si je peux dire ça comme ça, mm-hmm. je dis non, mais j'ai remarqué, à chaque fois que je viens chez toi, c'est là même j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Souvent, mm-hmm. quand tu dis ça, elle s'arrange. Elle s'arrange. Elle D'accord. s'arrange. Ça, c'est la politique. OK, donc, voilà. ça veut dire que là, c'est le consommateur qui gagne lorsqu'il y a la compétition. Ouais, voilà. Là, il y a alors, la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut retenir au cours donc, de cette émission Ce qu'on voilà. doit retenir, il faut toujours revenir sur cette situation de polygamie et dire à tout le monde, à ceux qui désistent, à ceux qui pensent que c'est quelque chose de mauvais, dire que c'est une bénédiction, c'est une solution au problème de l'humanité mm-hmm. et une solution au problème des hommes et aussi au problème des femmes. D'accord. Voilà, quand on regarde même aujourd'hui la démographie mondiale, les femmes sont plus que les hommes. D'accord. Et si nous devons laisser les femmes comme ça, et donc, si la polygamie n'était pas une proposition divine, une réalité que nous devons vivre, il y aurait beaucoup de choses. Ouais. Il y aurait vraiment une dépravation de mœurs. Et donc, les femmes seront dans un cas d'injustice. Elles ne pourront pas accéder à un foyer. Or, pourtant, elles ont droit à un foyer. Et vous l'avez dit, les femmes qui refusent très souvent la polygamie, oui. ou que leur mari épouse une autre femme, sont celles-là qui sont déjà dans les foyers. Bon, absolument. Donc, il faut, vous voyez que la polygamie, c'est une solution sociale. Donc, Allah a donné cette solution dans la polygamie pour harmoniser la société D'accord. humaine. Et rendre vraiment des personnes stables dans Stable. La société aussi. Je veux savoir, lorsque vous avez une deuxième épouse, que vous voulez prendre une troisième ou une quatrième, et que la troisième ou la quatrième refuse, est-ce que vous forcez? Ou qu'est-ce que vous faites? Je dis que l'islam est une religion des principes et des règles et des lois. Et toutes ces règles et des lois de l'islam sont des règles morales. Mm. Et donc, l'islam propose et chaque fois dire que quand on veut faire quelque chose, c'est une famille. Il faut toujours avertir celui avec qui nous sommes de quelque chose qu'on veut entreprendre. Je reviens un peu en arrière. Oui. Lorsque Dieu voulait créer l'être humain, mm. il s'est adressé aux anges en disant, je vais créer une espèce de créature. Mais est-ce que cela veut dire que si les anges refusaient, Dieu n'allait pas le faire? Il allait le faire. Donc, vous voyez ce respect D'accord. de Dieu, c'est une transmission divine de savoir, d'enseignement, pour dire que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut dire à son épouse, j'ai envie d'entreprendre un autre mariage. Avec la manière. Avec elle. La manière. À elle aussi d'accompagner son mari dans ça, puisqu'elle ne peut pas empêcher. D'accord. Parce que Dieu a autorisé et a permis. A permis. Mm. Au moins, c'est si elle voit son mari dans une relation extra-conjugale, c'est là qu'elle doit se plaindre. Parce que là, déjà, un homme qui ne fait pas la polygamie et qui entretient une autre relation au dehors, mm-hmm. cette femme-là même qui est dedans dans le mariage n'est pas en sécurité sociale. D'accord. Elle doit même obliger son mari à amener cette femme avec laquelle il entretient des relations extra-conjugales que le mari est en train d'entreprendre avec une autre femme, met l'autre femme qui est dans le mariage en danger. Donc la femme doit sortir son mari du péché de l'adultère. Péché, ça c'est un. Et lorsque la femme sort son mari du péché de l'adultère, elle se met elle-même aussi en sécurité. Parce que l'adultère, la fornication avec une autre femme que vous ne connaissez pas, vous met en danger parce qu'elle est au dehors, mais elle vous connaît. Mm. Donc la polygamie vient encore mettre la femme dans une sécurité sociale. D'accord. Et tout ça, Allah a fait pour la solution. Bien sûr. Alors, Imam Diomandé, nous allons oui. terminer avec vous. Vous allez juste résumer tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Assalamu alaikum wa salam ala Rasulillah. Amala foka ala barakala. Biwlada na mekmana femika ole, ala utalaka la yurumin dama, noe musufurukoye. Aywa anyi ningala mina munu ka muso flasige ani muso saba ani muso nani olu ere ka demba ya la oba komna chuwaj male bo yere soro chuwaj male o saranya ko ye mune here male bala tenama jumande bala anga yera ka fo ko bebe ala utala le bro ibe yere kalfa ala le la buna adama do mana sigike amana ka chuwo chuwo londo la aka surun londo la aka jang
mais ko ko nana fa ya mna ni limania le parce que comme somme nous furukana ayira ola ka fa me alabato le la ango yira no ka lo ka fa alabato ko le la de ni bini majiki donc ni moso kan ka min ke moso beno oké moso ta lo yoro moso bo dafa ele mi eche ni ka moso flani sa vani nani ta ele fena kan ka lo il lo yoro la parce que ala utala bena sarabadi ele le ma ibraji moso flati ibraji ka boni moso kelendri moso sabati ni moso nanti ibraji u be nyonya moso nanti ibraji ka boni betai sabo abe Alebi jantola mokonani lela alebe mokonani le korosila donc alebe mokonani le demena donc mokomi nga chamanga ni mokomi nga kelinga o loro te kelinga ala fei mais ibe sranfana parce que ala ka adagaye ikana ala soso ko dola ibe tle muso nuni nyonche ibe tle uka hakeola ise ko dama yirala ibe se ka minko ye lumna ibe uka oye ni te se ka minko ye lumna ibe do nyino fe ele kana ka mugo ya danie ele kana america fo ikana folo le koso ikana muso nusoro una nyonona o ikana ta do korofo do fe na sela ka kuma ka se ka fo ka ben ni ben dola aka dema chema akacha ala fe ibe si deula ibe jija muso nu fana ibe balu halala saraka nika halala ta ka di ka dema ma alhamdulillah denu londola urube ke itabagaye ibe yao ite yao londola uluta nema obisoro donc en kuma na fe munu ka abelebele baula ululebe niye aywa inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh c'est sur ce résumé en malinké que nous mettons un terme à cette émission rappelons que nous étions avec l'imam Yaya Traoré il est imam principal de la mosquée Fitia située dans la commune d'Abobo ainsi que l'imam Farouk Diomandé il est imam principal de la grande mosquée de Port-Boué avec eux nous avons parlé de la gestion du foyer polygamique merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous jeudi prochain même heure même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission La Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu akbar Allah. أشهد أن لا إله إلا الله